Bonjour, bienvenue au dernier jour des rencontres internationales de la mobilité durable. Nous concluons en beauté, si je puis dire, en intelligence avec Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, philosophe, auteur de 160 livres traduits en 45 langues, fidèle de la presqu'île, reçu cet été pour nous présenter son dictionnaire amoureux de la philosophie, un monument, 1000 pages, 8 ans d'écriture. Et aujourd'hui, 8 ans est toute une vie, comme tu nous avais dit. Et aujourd'hui, présent au rendez-vous du maire, les rencontres internationales de la mobilité durable, dédiée au green tech, à la mobilité durable, à la mobilité propre. Luc, ton intérêt pour la voiture date de très longtemps. Je ne savais pas que tu étais né quasiment dans un garage. Ah oui, pas quasiment, vraiment, oui, puisque mon père était pilote et il était constructeur de voitures de course. Et donc, toute mon enfance, c'est dans un garage de voitures de course, à la fois les voitures de mon père, les Ferry, il y en avait une quinzaine. Et puis, on avait, je ne sais pas moi, peut-être 200 ou 300 Bugatti qui s'entassaient jusqu'au plafond. Des 35B, il y avait une petite Royale, il y avait des 57, il y avait un coupé à Atalante. En fait, des voitures qui aujourd'hui sont des voitures de collection qui n'ont plus de prix. Ou plutôt, elles en ont un, mais il est très, très élevé. Et c'était, ça a été pendant les 10 premières années de ma vie, ça a été, peut-être même les 20 premières années de ma vie, ça a été toute mon enfance, ouais. Et en plus, vous étiez 4 garçons. On était 4 garçons, et donc notre père était un très grand pilote, il nous a appris à conduire, et on avait encore une fois toutes ces voitures un peu à disposition. Il y avait aussi des Alpines, les petites berlinettes, tout ça, qui étaient les R8 Gordini, qui étaient des voitures marrantes à conduire. Et donc, moi, je cours encore, je suis essayeur dans une revue qui s'appelle Carla F, que dirige mon ami Thierry Soave. Et donc, l'année dernière, j'ai fait la course, la Mera Cup, avec un copilote magnifique qui est Paul Belmondo, qui est un type adorable, qui est gentil comme toi, et qui était pilote de Formule 1, qui conduit très bien, évidemment. Donc, et qui, justement, s'est mis à la Formule I. C'est-à-dire, effectivement, il court dans Paris des Formule 1 électriques. Oui, électriques. C'est sûrement formidable, mais moi j'aime bien quand ça fait du bruit et quand ça pollue un peu. Sinon, c'est pas drôle. Alors aujourd'hui, tu as rejoint justement cette première édition des Rencontres de la mobilité durable avec quoi ? Ah ben là, je suis venu avec une petite 4 chevaux Renault des années 50, qui est Mimi comme tout, qui est adorable. C'est mignon, c'est une petite voiture que j'aime beaucoup, elle marche encore très très bien. Et donc je suis venu avec, enfin pas de très loin, je suis venu de Port-Grimaud, donc c'est quand même pas très loin. Mais c'est une voiture que j'aime beaucoup, elle est je trouve très jolie, très mignonne. Bon, évidemment, aujourd'hui c'est plus vraiment utilisable, il y a des portes suicides qui s'ouvrent à l'envers. Portes suicides ? Ben oui, parce que c'est des portes, quand on ferme mal les portes, pouf, d'un seul coup ça s'ouvre, parce qu'elles s'ouvrent dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on fait plus ça. À 80 km/h, on a l'impression d'être dans une cocotte minute qui va exploser. Mais sinon, c'est une petite voiture adorable. Et ça a été la première voiture de consommation de masse en France. C'est-à-dire qu'il y a eu la Coccinelle avant, qui a d'ailleurs été un peu son modèle en Allemagne, comme voiture Volkswagen, la voiture du peuple. Mais la 4 chevaux Renault, ça a été la première voiture, encore une fois, de consommation universelle, si je puis dire. C'était la voiture aussi bien des cadres que des ouvriers. Alors, saut dans le temps aujourd'hui, tu es venu nous parler de la voiture autonome, puisque tu t'intéresses de très près à l'intelligence artificielle, au transhumanisme, voire même à l'immortalité, d'ailleurs, c'est le moment. Et là, j'y crois pas. Mais, mais la prolongation de la vie, oui. Donc, et tu as testé pour nous la voiture autonome. Oui, j'ai essayé la voiture de Valeo dans Paris, qui est une Range Rover de série avec l'équipement de Valeo dessus pour la rendre autonome. Et c'est très, très impressionnant parce que c'est une voiture qui conduit très bien. J'ai fait 5 km dans Paris sans toucher le volant. Elle freine très bien, elle accélère très bien. Paris est une ville difficile, il y a des trottinettes, il y a des scooters, il y a des vélos, il y a des piétons, il y a des feux rouges, il y a des encombrements, il y a des gens hargneux. Et donc, c'est une voiture formidable. Si on lui dit d'aller de Saint-Tropez à Paris, elle va de Saint-Tropez à Paris, elle est tout à fait au point. Et ça a posé une question qui est passionnante, qui est la question de savoir comment ça va impacter le monde du travail. Il faut dire les choses clairement, dans 20 ans, il n'y aura pas un chauffeur de taxi en France. Il faut quand même le savoir. Et c'est pas une blague, les gens croient aujourd'hui que c'est de la science-fiction, mais c'est pas du tout de la science-fiction. Elle est là. Moi, je peux vous dire, je l'ai essayé, elle est formidable. Comme je vous disais tout à l'heure, pendant la conférence, il y a un seul endroit où elle ne passe pas à Paris, c'est la place de l'Étoile, parce qu'elle respecte le code de la route, et donc elle laisse passer tout le monde. Mais sinon, elle est absolument formidable et elle est géniale. Et encore, on est au tout début, c'est-à-dire qu'il faut imaginer ce que ce sera dans 10 ans, et ça vaudra pour le camion, pour le bateau, pour l'avion. Donc on aura une révolution de la mobilité, ça veut dire qu'il n'y aura quasiment plus de morts sur les routes, parce qu'elles seront interconnectées, donc il n'y aura plus d'accidents, il n'y aura plus d'embouteillages, plus d'encombrements, plus de limitation de vitesse, plus de parking dans les villes, donc tout ça va, plus d'alcoolisme au volant, le français pourra continuer à boire mais il n'aura plus de volant, donc ce sera un bureau flottant, et donc tout ça va être une vraie révolution, mais qui pose un problème, qui est l'impact évidemment de ces nouvelles technologies sur le monde du travail. Comment les gens vont s'occuper ?
Et aussi comment les gens vont aussi s'occuper. Mais bon, alors la fin du travail est un mythe, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Mais il n'y aura jamais de fin du travail. Mais en revanche, on va avoir un problème de transition entre des métiers qui seront impactés par l'intelligence artificielle, par ces nouvelles technologies, des métiers qui apparaîtront, mais un problème de transition entre les deux. La petite caissière du G20 qui va perdre son emploi parce qu'elle est remplacée par une machine, ou le dermatologue, ou le radiologue, ou le commissaire aux comptes qui lui aussi va être ubérisé. Bon, voilà, comment ils vont changer de métier, ou comment ils vont aménager leur métier pour continuer à travailler. Toutes ces questions-là sont devant nous. Il n'y aura jamais de fin du travail, mais il y aura des problèmes de transition beaucoup plus violents que dans les précédentes révolutions industrielles. Si vous voulez, quand Edison, en 1880, invente l'ampoule à filament et la première centrale électrique, les fabricants de bougies au fin fond de la Corrèze ou de l'Auvergne, ils ont 50 ans pour se retourner. Quand Uber débarque à Paris en 2014, les taxis, ils ont 3 mois. Mm-hmm. C'est pas la même chose. Absolument. Alors, dernière question, Luc, avant de te laisser retrouver ton petit trésor et d'aller le toiletter, si je puis dire. Que penses-tu d'une initiative comme celle-ci, prise par une ville comme Saint-Tropez ? C'est une idée géniale. Moi, je le disais au maire, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection, d'amitié. C'est vraiment une bonne idée que de transformer Saint-Tropez en ville culturelle, en ville de l'intelligence. C'est pas simplement Sex and Sun, c'est aussi un potentiel de culture et d'intelligence absolument extraordinaire. Et donc, je trouve que c'est une initiative formidable. Voilà, que Saint-Tropez devienne une ville de colloques, de conférences, de rencontres culturelles, scientifiques, techniques, comme c'est le cas aujourd'hui, je trouve ça absolument génial. Voilà, je trouve que c'est vraiment la chose à faire, et que Saint-Tropez, ça ne doit pas être simplement la ville des milliardaires avec les glaïeuls sur le cul du bateau, quoi. Voilà, c'est pas ça non plus, c'est pas que ça en tout cas, voilà. Même si c'est ça aussi, oui. Merci beaucoup Luc, on te retrouve au voile de Saint-Tropez, j'imagine. Rendez-vous de la mobilité durable s'il en est. Oui, je reviendrai, je reviendrai la semaine prochaine, okay. Oui, parce que c'est vraiment magnifique, oui. Merci beaucoup. Merci Agnès.